the guy I've been dating for 8 months just came over and broke up with me. When I met him in March, I came back to life. I got my confidence back. I played. I laughed. The hardest thing for me is that he just committed like 3 weeks ago and told me that he considers me his girlfriend and has told everybody else. And so what did I do? I put him right back on Facebook and paraded him in front of everybody. Like, here's my guy. So, as much as I know it's the right thing, like my mind knows it's the right thing, my heart hurts. Une femme de 52 ans après 25 ans de mariage qui a divorcé parce qu'elle pensait mériter mieux. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Mais je sens quand même que la nature féminine lui a joué des tours. L'hypergamie là... Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, c'est une étude de cas où je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape. Ok, avec l'intelligence artificielle. Avant de créer arnaque, regarde quand même, c'est complètement gratuit. J'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à être indépendantes financièrement. Donc prends ça maintenant, clique sur le lien qui est dans la description. Let's answer this question. Can I ask, how do you think it got to that point if you don't mind answering? She's referring to the video I made where I talk about my husband of 25 years sitting me down and telling me at a Mexican restaurant that he was only in our marriage for our daughter. Essentially saying he didn't love me anymore, which I therefore left and started over again with our daughter. So how did it get to that point? You know, it's very interesting that you ask this because I've been making videos about older women dating younger men. And it's funny because I think that age actually did hurt us in our marriage. I was 21 and he was 31 when we got together. I had a 2-month-old baby and he had a couple kids actually from a previous marriage. And I was still living with my parents. It was very much, even though we neither one of us had anything, neither of us had any money. We didn't have literally anything. That part was very equal. He was still 10 years older and was very much the boss, controlled the finances, made all the decisions, when we were gonna live together, when we were gonna get married. He was the decision maker in all of those cases. And I didn't really have enough confidence to make my own decisions at that time. What happened though, was we got together and I started really helping him build a business that he had a license for, but really wasn't doing anything. So I applied all of my marketing to his business. The business took off. Between my marketing and his sales, we skyrocketed. We made $1 million our first year. We were the number one catering company in all of Las Vegas for decades. It was a really big deal. But what happened was, as that time went on, I started establishing myself. I started building my own confidence, my own identity. Eventually, we wound up getting into real estate, and I became a teacher, trainer, and started coaching and speaking on real estate and on marketing, and then that turned into me speaking about affiliate marketing and making six figures as an affiliate marketer. And then I'm on the stages, and I'm writing books, and I'm doing things like that. And as I climbed that social ladder, or I don't know, whatever you want to call it, I think he struggled. And I'll be really honest with you. He didn't change. He didn't change at all. I don't think in the entire 25 years he ever changed. He was the same guy he was when we met, and that was a problem. Because when you marry a 21-year-old girl that has not grown into the woman she's going to be yet, you're kind of asking for trouble unless you're gonna grow with her. And you know, if one person grows and the other one stays in the same spot, then one is probably gonna go a different direction. And I'm not saying I was better than, I'm not saying anything to do with that. I'm saying we grew in different directions. I grew up in that marriage. I grew up. And then I didn't want to ask for allowance. I didn't want to ask for money. I didn't want him to make all the decisions anymore. I started standing up for myself and saying, this is what I want our life to look like. I didn't feel safe in a lot of the decisions he made. And it concerned me. And so I wanted to be more involved with the finances. I wanted to be more involved with our investments. And there was so much push and pull then, because for so long he was just the boss. And you know, a man's ego doesn't do so well when the woman becomes too strong. And I did become too alpha. I did become too bossy and domineering. I think I just a fear for losing everything, which I won't go into those details, but we had some issues in there. I didn't trust the situation. I'm like, I need to take over. I need to protect us and keep us safe. And that, what does that do? That makes me less feminine. It makes me less attractive. And
I'm not saying it was his fault. I'm not saying it was my fault. I'm just saying when you start off with that much of an age gap, one, somebody's going to probably grow in a different direction than the other one. So that's just my honest answer. Ok, Géraldine. Donc, si je comprends bien, concrètement, tu es montée en compétences dans le milieu professionnel. Et donc, tu te dis, bon, ben, mettons, c'est moi qui vais prendre le lead. Si vous avez fait des millions, c'est que son lead, il n'était pas trop dégueulasse quand même. Donc, un peu de succès, tu deviens, voilà, tu te dis, je deviens une femme masculine. Alors, en fait, tu es juste devenue une femme masculine. Tu t'es dit, maintenant que j'ai le pénis, c'est moi qui vais prendre le lead dans notre relation personnelle. Et remarque bien, elle dit à un moment donné, je n'avais plus confiance en son leadership. Ça, ça s'appelle l'hypergamie. Elle s'est fait fourvoyer par sa nature féminine. Vu qu'elle a commencé à monter en compétences, elle a commencé à gagner de l'argent, elle a dit, moi, lui, parce qu'à partir du moment où elle commence à te dire, ouais, je pense que je dois prendre le lead, c'est que dans sa tête, elle est au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand la femme est au-dessus? Tu connais déjà, ça finit en divorce. Bon, ça n'a pas manqué, là. Tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, elle a dit, je dois nous protéger. Genre, elle doit te protéger. Vraiment, là, on peut pas faire plus masculin que ça, quoi. Mais bon, au moins, elle a conscience, voilà, elle dit, bon, ben, je peux comprendre qu'en étant plus masculine, je sois un peu moins attractif. Bah, oui, à un moment donné, les gars, ils n'ont pas envie de coucher avec un autre homme, quoi. Bah, ça dépend de tout à chacun, mais normalement, voilà. Donc, son argument, elle, c'est que vu qu'il y avait une différence d'âge et qu'elle était jeune quand elle est rentrée en relation, elle a évolué et ça, fallait s'y attendre, voilà, etc. Bon. Et le problème, c'est que lui, il n'a pas évolué, il est resté au même endroit. Alors déjà, Géraldine, je te dirais non, ça n'a rien à voir avec ça. Premièrement, revenons sur ton mari qui n'a pas évolué. Comment ton mari ne peut pas évoluer en faisant des millions? C'est comment? Tu l'as aidé, c'est toi-même qui l'as dit, je reprends tes mots. Tu dis, tu l'as aidé dans le marketing et lui s'occupait des ventes. Donc c'est lui qui a eu le projet, tu l'as aidé dans son projet. Donc c'est que c'est quelqu'un qui a évolué, c'est une personne qui avait une vision, qui voulait créer son entreprise, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc son leadership, il n'a pas l'air trop mauvais, parce que quand même, jusqu'à ce moment-là, il a quand même l'idée, votre relation, à que vous soyez millionnaire, ou en tout cas que vous générez des millions par an. Et deuxièmement, sur cette question de oui, je suis monté en compétences et j'ai évolué, donc du coup, c'est pour ça que ça ne marchait plus, on est parti dans différentes directions, non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu montes en compétences dans un milieu professionnel, que ça doit impacter ta vie personnelle. C'est toi qui as pris la grosse tête parce que comme tu commençais à faire de l'oseille, tu te sentais plus en fait. À dire, ah, moi maintenant je suis un bonhomme, attends, c'est quoi les finances là? Attends, laisse-moi voir. C'est toi qui étais trop facilement en homme. Mais en aucun cas, les compétences que tu as acquéries devraient impacter ta vie personnelle. Il doit avoir un équilibre, le yin, le yang, une énergie masculine, énergie féminine. À un moment donné, si tu veux dérégler tout ça parce que madame fait de l'argent maintenant, t'étonnes pas que ça part en sucette. Donc ma théorie là, c'est que t'as pris la grosse tête et t'as ruiné ton mariage. Parce que tu parles de son ego. Oui, vous savez, les hommes ils ont un ego. Ben, bien sûr que les hommes ils ont un ego. Tu remets en question son leadership alors que son leadership t'a emmené jusqu'à vous faites des millions ensemble. Donc c'est quand même, c'est pas trop dégueulasse quand même ce qu'il fait. Donc ce que t'aurais dû faire, je me permets, excuse-moi, je me permets, mais c'est de juste suivre son lead, ok? Continue à lui apporter des conseils, ton aide, comme tu l'as déjà fait. Et c'est exactement ce qu'Alex Hormozi fait avec sa femme. Sa femme, elle pourrait être en énergie masculine si elle veut. Ils ont construit ensemble, ils ont fait des centaines de millions ensemble. Mais je lisais encore une partie d'un de ses bouquins où il disait qu'à un moment donné, il a pris une décision. C'était une mauvaise décision et sa femme ne voulait pas qu'il prenne cette décision. En tout cas, elle n'était pas d'accord. Mais elle a dit, bon, ok, tu vois. En gros, bah, c'est toi le leader, ok, pas de problème, tu vois. Moi, je suis pas d'accord, mais ok. Mais c'est avéré qu'il a fait une grosse erreur. Ils ont perdu énormément d'argent, ils ont même tout perdu à ce moment-là. Et pourtant, elle lui a rien reproché, elle lui a rien dit. Elle a pas dit, bon, ben maintenant, c'est moi qui prends le lead. Parce que là, non. Parce que oui, un leader peut faire des erreurs. Mais le leader, après, c'est lui qui doit prendre les responsabilités. Après, il faut voir aussi, sous le nombre de décisions qu'un leader il prend, est-ce qu'il se foire à chaque fois, hein? Concernant toi, Géraldine, il a quand même fait les choses assez bien quand même. Géraldine, elle commence à faire un peu d'oseille, comme maintenant elle va aux toilettes, elle pisse debout. Calme-toi! Donc elle réalise que les hommes sont attirés par les femmes plus jeunes, ce qui rend le marché du dating horrible pour les femmes de son âge. Mais elle a fait une vidéo quand même pour expliquer pourquoi une femme de son âge apporte plus de valeur que les femmes qui sont plus jeunes. I am 52 years old today. This is 52. I turned off
the filters. I'm outside. I am on my patio in the sun, but there are no filters. This is 52. All of it imperfections. Got a little bit more of the lines, the wrinkles. Skin is not perfect. A little more wrinkles around the neck, right? This is 52. I am not upset about being 52. And I think that I'm in many ways younger, feeling, looking energy than I was 10 years ago, maybe even 20 years ago in some ways. And yes, I come on here on TikTok and talk about dating and I put on filters. You know those filters that give you like a little bit of an eyelash or they soften these imperfections in our face. They give us a little bit of that glow, maybe hide some of the lines and wrinkles. I don't know. We all kind of do it just to soften things up. Today I thought, you know what? It is my birthday. I'm 52 years old. I'm just going to come on here, darn it, and be here in reality. This is what it is. And 52 in the dating scene is hard. It is hard. We're constantly taking a look around and looking at the younger girls. But I'll tell you, the truth is, when I was in my 20s and dating, I was as insecure as I am in my 50s and dating. And in our 50s, we come to the table with a lot more experience, a lot more to offer somebody else. Yes, there's often more baggage that comes with that too. You know, even though I'm in a very free place in my life, my kids are grown, I don't need anybody else financially, I've got a nice, beautiful house that I built, not my ex-husband, I built it after the divorce. But I still feel like I have baggage too because emotional triggers and whatnot that we have when we're in a new relationship. So nobody is free from that type of thing. But being 52 out there in the dating scene is, it's scary, it's messy, it's complicated, all of those things. But I don't really think it's probably that much different than what the younger people are going through. It's hard for anybody being out there. But anyway, I just thought I'd pop on here. It's my birthday, 52 years old, single, out there dating, having a good time, sharing with you guys all the stories, and let's just see where it goes from here. Imagine, gars, c'est ta daronne qui est en train de faire des 360 sur TikTok. Ouais, mais on a marre là. T'imagines là dans. Tu vois ta daronne, elle fait du 360. Bon, bref. Dans les situations comme ça, t'en as marre de la vie. C'est là que tu vois la nature féminine, elle bouge pas, ça change jamais, quoi. Non, madame, tu as quitté ta famille, c'est tout. Et aujourd'hui, bah, il faut un peu. On fait comment maintenant? Après, c'est obligé de philosopher, oui, non, mais en fait, je me sens plus jeune. Elle a vraiment dit, voilà, je me sens. D'une manière. En fait, je me sens plus jeune qu'il y a 20 ans. Bon, alors, c'est vrai que tu as certains arguments qui ne laissent pas insensibles aux amateurs de matos. J'imagine que tu dois avoir plein de petits jeunes qui t'envoient des DM, j'en suis sûr. Mais après, il n'y a pas que le physique. Tu diras, ah, ben attends, faut savoir, le physique. Il n'y a pas que le physique, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit. Il y a aussi des bagages qui vont avec. Et puis après, il y a d'autres points, mais bon, s'étaler sur cette vidéo. Tu m'étonnes que tu attires les jeunes. Bah oui, les jeunes, c'est dur pour tout le monde, là, les gars. Faut pas oublier, c'est dur pour tout le monde. Ça veut dire que les gars, ils se disent, bon. Ça va être plus facile d'avoir du sexe, elle a quand même un certain corps. En plus, peut-être que je vais pas payer le dette. Donc les gars, ils se disent, vas-y, j'y vais. Mais c'est rarement, et je suis gentil hein, quand je dis rarement, le gars, il se dit, bon, ben, je vais me poser, je vais faire une famille avec elle. Déjà, biologiquement, c'est même pas possible. Ou même si le gars ne veut pas faire de famille, il se dit, ouais, ben, je vais me poser avec elle. Et c'est ça qui rend le dating super difficile pour ces femmes de cet âge-là, parce que les hommes de leur âge ou un peu plus vont sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes. Du coup, c'est compliqué pour dater un gars de leur âge ou plus âgé. Et donc, du coup, elles vont attirer seulement les plus jeunes qui veulent s'amuser, quoi, avoir une expérience ou s'amuser, tu vois. Ça me rappelle Gillo qui disait « Ouais, non, mais moi, c'est comme ça. C'est pas que je date que des jeunes. C'est que j'attire les jeunes, leur énergie. » I don't date younger men. It's not like you have to be younger. It's not about that, whether or not I'm attracted to them or not. Attracted to their spirit, their soul, whatever. Right. Whatever their energy. Yeah. Bon, elle vient de divorcer avec Ben Affleck. Parce que déjà, Ben Affleck, c'était une anomalie du marché. C'était une anomalie. Ça devait être parce que c'était son ex. Puis Ben Affleck, je pense qu'il est un petit peu... bon, voilà. Un petit peu chelou. On l'aime quand il fait Batman, mais on dirait quand même, bon,
En tout cas, de ce qu'il dégage sous ses apparitions sur les réseaux. Bon, bref. Bon, ben, ça a pas duré, tu vois. Et pourtant, c'est J-Lo. Tu vois ce que je veux dire? C'est J-Lo. Elle a pas trop de body count, en tout cas, public, en tout cas. Et avec Ben Affleck, ça a pas duré. En plus, Ben Affleck, il est plus jeune qu'elle. Pas de grand-chose, mais il est un peu plus jeune, je crois. Je sais plus combien. Je crois que J-Lo, elle a quel âge? 54, je crois. Donc, lui, doit être peut-être à 50, 51, un truc comme ça. Donc, il est encore à son pic, un peu, quoi. Par contre, il faut avouer que J-Lo, elle est forte pour faire légal se marier. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas si elle leur dit, ouais, tu mourras pas avant, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est forte, par contre, pour faire légal se marier. Bref, en tout cas, je suis pas surpris que ça n'ait pas duré, tu vois. Donc, imagine J-Lo, elle galère. Alors, imagine pour les autres femmes du même âge. Et quand elle avait répondu ça, ouais, c'est l'énergie, je les attire comme ça, c'était au moment où elle avait fait une photo avec Drake, là, où ils étaient enlacés ensemble. Et elle avait permis que la photo, elle sorte. Enfin, je veux dire, c'est où elle l'avait posté la photo, ou lui, l'avait posté. Mais tu me diras pas que c'est pour un truc marketing, parce que elle avait rien à promouvoir à ce moment-là, ou peut-être qu'elle avait son show à Las Vegas, mais c'était pas en lien forcément, je pense pas. Je pense qu'elle avait vraiment kiffé, qu'elle s'est vraiment dit, ouais, bah, je vais pouvoir gérer Drake, quoi. Drake, on se sait. Drake, il a juste dit J-Lo, check. Ça, c'est fait. Il a fait Serena Williams, check. Drake, il a géré toutes les meufs. Ça, c'est incroyable. Bref, revenons à notre copine Géraldine. Donc, au niveau d'expérience que tu dis que maintenant tu apportes, parce que maintenant tu te connais, c'est incroyable comme elle dit toutes les mêmes choses. Donc, non, les hommes ne valorisent pas l'expérience auprès des femmes. Au contraire, ils valorisent l'inexpérience et à tout point de vue. Mais revenons un petit peu dans les débuts où elle venait de divorcer, je suis libre maintenant. Elle avait commencé à dater, elle a rencontré un gars, elle s'est dit peut-être qu'il va vouloir un engagement avec moi. Après, quand on parle d'engagement, on est aux States là. Ça veut dire, l'engagement c'est dire tu es ma petite amie. On parle pas de fiançailles, on parle pas de mariage. Là. Genre juste dire, ok, c'est ma petite amie. At 47 years old, after 25 years married, I found myself divorced. You guys, I thought it was over. I remember sitting on my floor just crying, saying, I don't want to do this anymore. I'm too old to do this again. I'm too old now to fall in love and find the love of my life, because how much time are we going to have left, right? Now, some of you are going to say 47 is so young, but to me, it felt like life was over. And to be honest with you, even into my 50s, I bought my own house. My kids went off to college when I was 50. And then one day I happened to be looking across the bar and saw a guy, and I asked my friends, who is that? And they said, we don't know, but we'll find out. Little did I know they were actually approaching him. I didn't realize that was happening until it was already happening. Right now, I can tell you that for the first time in my life, since my divorce, I feel alive again. And it has really made me realize that I'm 52 now and I feel great. I'm out having fun. I'm dancing. I'm dating. I'm singing. I'm playing. I'm traveling. I'm doing all those things and I have freedom to do it. So if you think your life is over at 50, take it from me. It's not over. Tu vois l'inexpérience, cette confiance qu'elle a là tout d'un coup. Elle fait une vidéo basée sur l'émotion du présent. Ah, tout est beau, ça te déchire. Après, il y a une autre Géraldine qui va regarder sa vidéo et qui va prendre ce qu'elle dit comme un conseil, qui va divorcer de son mari à 50 ans parce qu'elle aura vu une vidéo où elle a dit « Oui, c'est trop bien de dater à 50 ans. » Si je l'ai vu sur TikTok. Donc, dédicace à toutes les femmes qui ont divorcé parce qu'elles ont vu une vidéo TikTok. Mais Géraldine, soyons sérieux deux secondes. Tu viens d'arriver, tu penses que les choses sont aussi simples. Il n'y aurait pas autant de frustration. C'est déjà galère. Même une femme qui serait beaucoup plus jeune, elle aurait dit ça, j'aurais dit, ah, calme, tu vas vite en besogne là quand même. Et il s'est passé ce qui devait se passer. I've been honest about the dating journey up until now, so why change? So the guy I've been dating for 8 months just came over and broke up with me. Honestly, I'm gonna say that I knew it was coming. I mean, we've had some ons and offs and aren't really compatible in the long run, but that doesn't mean it hurts any less. After 8 months, that's a long time. The hardest thing for me is that he just committed like 3 weeks ago and told me that he considers me his girlfriend and has told everybody else. And so what did I do? I put him right back on Facebook and paraded him in front of everybody. Like, here's my guy.
So, as much as I know it's the right thing, like my mind knows it's the right thing, my heart hurts. And those of you that are in the dating scene, you know how this feels. To think about, well, but here's the thing. Here's what I'm gonna say. I had the time of my life this year. And when I met him in March, I came back to life. I got my confidence back. I played, I laughed. I camped, I ate sushi. I did things I've never done before. I ran barefoot through the sprinklers and into the cold waters camping and peed behind a tree. All the things that I swore I'd never do. I don't have any regrets at all. And now I feel like it's time for me to go play. I want to be single. I want to go play. I want to have fun. I probably want to date multiple people and find out who I really want after all that time. You know, I was married 25 years. So since I was 21 years old, I was married. I don't know really what I want in life, you know, as a partner. Maybe I don't even want a partner. Maybe I want to just go have fun, flirt around, date a little, you know, just have a good time. I don't have to. We're not required to settle down. And if something happens and the right person in the right frame of mind comes along, great. You know, this guy had kids, entanglements with an ex-wife, didn't want to make me public on Facebook. And I have had issues with that from day one. It's time to release it, let it go. Let him go, let him move on. You know, it stings, and I know I'm gonna miss him, but that's what it's all about, right? Chérie, si jamais il te met pas en public, genre ouais, t'es trop bien pour moi, je peux pas te mettre en public, je préfère que ça reste privé, c'est que c'est juste une relation court terme, c'est juste de l'amusement. C'est dur dehors là, hein? Mais on dirait qu'elles veulent tout y aller. Mais en même temps, tu me diras, 52 ans, elle sait toujours pas ce qu'elle veut. Elle sait toujours pas. Moi, je sais ce que tu veux. Tu veux un mari. Ben, tu en avais un et t'as foiré, quoi. C'est dommage. Et tu vois, ce genre de vidéo, il est important. Des fois, je ne me rends pas compte de l'impact que peut avoir ce genre de vidéo. Mais récemment, il y a un gars qui a pris contact avec moi et il me dit, ouais, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Et en général, les gens, quand ils m'envoient des messages comme ça, c'est souvent dit au business, ouais, grâce à toi, j'ai fait tant d'euros, grâce à toi, je me suis lancé dans le business, etc. Et là, c'était pas ça du tout. Il me dit, non, en fait, ma mère, elle voulait divorcer de mon père. Et je lui ai dit, non, maman, c'est pas comme ça la vie. Hein. Dehors, là, c'est dur. Hein. Et apparemment, il a réussi à raisonner sa mère. Et comme ça, ça lui évite hein, d'avoir sa mère sur TikTok en train de faire des 360. Donc, dédicace à lui, hein, si tu regardes la vidéo. Donc dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire, sinon les gars on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je vais être au camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million d'euros de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur « Générer ». Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur « Éditer » et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez « Appliquer les changements », « Exporter la vidéo » et « Publier sur YouTube » et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. We'll be right back.